Allez, petite vidéo du tunnel avant les récoltes, ce coup-ci. Là, on est dimanche soir, coucher de soleil, donc je commence à bosser. On a installé un voile. Bon, je sais pas si vous avez vu grand-chose. Bref, il y a un voile, voilà, on le voit mieux là. On a mis des draps sur des draps d'hôpitaux, que j'ai depuis plusieurs années. Des voisins qui travaillent à l'hôpital. Et bah voilà, du coup ça va me faire ma casquette pour demain, les 40 degrés annoncés. Du coup, gros arrosage, enfin gros arrosage comme d'hab, dans les bouteilles. Toutes les bouteilles ont été remplies. Les poivrons, tout ça, c'est au sol. J'ai remis des concombres pour faire ma rotation. Voilà, arrosé, arrosé. Là, je vais m'occuper de récolter ce que je peux. J'ai commencé, puis j'ai pris ma caméra. C'était blindé, le plein de trucs rouges. Je vais récolter tout ce que je peux parce que demain, 40 degrés, ici, ça va faire du 55. Je vais avoir des tomates farcies sur pied. Donc tout ce que je peux récupérer, tout ce qui est prêt, je vais retirer. Voilà, ici c'est rouge. C'est quoi déjà? Anthocyane, je crois. Ça, je sais plus ce que c'est, mais elles sont longues. Ah non, elles sont molles. Chapeau vert, je crois que c'est du chapeau. Bah, moi, j'écris pas les noms, j'écris chapeau vert. Ça, c'est pareil. Faut que je récupère les graines. Après, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça commence à être la jungle. Je sais pas à vous, mais. Bon, c'est difficile à passer. Ouais, ça rougit, ça c'est cool. Oh, là, ici c'est carnage. Oh, il y a de quoi faire. Pourtant, j'ai tout fait il y a 2 jours. J'ai tout fait il y a 2 jours, mais ça s'arrête pas. C'est rouge, rouge, rouge de partout. Ou jaune, orange, suivant les variétés. Ouais, les piments énormes là. Boum. Oh punaise, celle-là elle fait 1 kg. Oh punaise, c'est des malades. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça c'est les roses. Cœur de bœuf rose, c'est la folie. Pourtant, je suis venu à 2-3 jours. Mais voilà, moi je vais jusqu'au bout de la maturité. J'attends vraiment la fin, la fin, la fin. Alors, déjà, mon doigt il passe à travers. Mais... Oh tiens, j'ai un beau concombre. J'en ai un peu partout encore. Oh punaise. Bon, voilà l'état dans lequel je suis là dans mon tunnel. Je suis obligé de ramper tellement j'ai plus de place. Oh punaise. C'est du sport. Hein. Ça, c'est trop bien. Alors, ça fait maintenant 3-4 ans que je fais mes semences, et avec toujours la plus grosse des tomates, la plus grosse des cerises. Maintenant j'ai presque plus de cerises, je me retrouve à la limite avec que des grosses grappes de cocktail. Donc là c'est que de la grosse en fait, c'est marrant, alors que c'était des petites billes marron avant. Bon bah voilà, je vais vous montrer le deuxième tunnel. Bon lui par contre faut que je le démonte encore, la bâche dans le fond là c'est ouvert. Mais là, j'ai pas tout ouvert. Faut que je démonte la graffe. Le raisin. Là, j'ai fait mes semis de choux, machin, mais je peux pas mettre ça dehors. Je devrais, mais je peux pas. Là, je viens de faire un gros, gros arrosage. Là, mes salades à couper, elles sont encore nickel. La salade encore en plein de canicule. Trop, trop bien. Là, mes nouveaux semis, je sais plus ce que c'est, cornichons, normalement. Si j'ai bien géré le truc. C'est parti. J'ai encore des cornichons, là, partout. Ça, c'est 3 jours. Tous les 3 jours, tu dois récolter. Et encore là j'ai arrosé, je suis sûr, demain soir je suis sûr de les faire. Après ça va être trop gros. Déjà là normalement c'est la bonne taille, mais bon, je vais quand même attendre 24 heures de plus. Ouais, haricots verts ici, forêt, alors à chaque fois je me fais avoir, c'est les graines de Lidl. Alors c'est du nain, mais j'ai pas de nain, moi, dans mon tunnel ça fait jamais de nain. Ouais, j'ai pas d'exemple, il n'y a pas de liane. Enfin bref, ça fait des grosses lianes énormes. Voilà, donc c'est pas nain du tout, ça grimpe, c'est chiant. Pour la récolte. Ah là encore des tomates énormes. Oh punaise, elle est mûre en fait. Elle est verte, elle est foncée. Et... En fait elle est mûre. Ah ouais, elle est mûre. J'attendais mais non. C'est bon. Ça c'est les rouges et jaunes. Tac, ça c'est pareil, hein. C'est un petit peu jaune. Bon, c'est un petit peu dur. Mais elle doit être jaune. Je vais encore attendre. Voilà, ça c'est la rose. Punaise. Je vais tout enlever parce que demain ça va être foutu. Ça c'est jumbo. Oh punaise. Trop mûr. Voilà, c'est le goût de sucre, tu peux, c'est incomparable. Moi j'invite des gens à manger ici, ils débloquent, hein. Ils débloquent sur le goût des aliments. Ah ouais, c'est mûr, c'est cueilli mûr, c'est pas mûr dans un camion. Ah, c'est ce qui me reste, j'avais fait 2 semis. Ça c'est, du coup j'ai mis en tunnel 2, c'était les graines de Lidl. Graines de Lidl, oh, je sais plus quelle variété. J'ai mis 2 graines à chaque fois, 100%. Et là c'est Antoine, c'est un petit jeune qui passe à la maison. On a fait un troc de graines.
Il m'avait filé des verres longues maraîchères, je crois, je sais plus quoi. Et bah ça fait ça, bah, pas top. Là, les deux sont partis, là 0. 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Bon. C'est comme ça, comme quoi Lidl, hein. Qualité, qualité. Là pareil, il y a du rouge, il y a du vert. Encore dans la jungle. Je suis carrément encore dans la jungle. Voilà, bon, ça c'est marrant, il y a des traits. Et, toi, il y a des traits, c'est pas mûr. Là, il n'y a plus de traits, c'est bon, c'est mûr. Celle-là, elle est tombée, elle est complètement mûre. Ça, c'est quand tu vois l'étoile. Hop, quand ça, c'est rouge, c'est bon, tu peux récolter. Bon, je me lève, je me redresse, je ne peux même plus me retourner. Ça, c'est celle-là, du coup. Ils ont pris un coup de chaud. Elle commence à vouloir monter. Je vais tout enlever, là. Je vais tout retirer. Et je vais les préparer, les laver, je vais les mettre au frigo. Comme ça, demain matin, voilà, ça, c'est mort. Avec la canicule, ça va pas être bon. Je vais manger du carton. Bon, ça c'est pas encore prêt. Tac, et ici c'est le carnage. Boum. Ah, ici la grappe m'a la pété. Et à la tige. Pff, je sais pas, il doit y avoir 3 kilos là-dedans. 3 kilos de tomates sur une tige. Pff, la folie. Voilà, je dois tout enlever. Tout est rouge, tout est prêt. Cœur de bœuf rose, voilà, en forme de cœur. Voilà, cœur de bœuf, elle est rose. Bon voilà, bon allez au boulot. Oh punaise, tout ça ramassé aussi. Là. Il y en a plein, plein, plein. Elles sont trop, trop bien celles-là. Bon, c'est peut-être le but déjà, ma grosse saladier. Je vous mets la photo de mon saladier. J'ai pris une photo tout à l'heure. Ça, c'est trop bien, je suppose que c'est. Maglia rosa. Tout ça, c'est des hommes de Jaco hein, qui m'avaient filé, je crois. Mais du coup, j'ai reproduit et maintenant, j'ai à volonté grâce à Jaco Olivier. Voilà, ça, c'est trop bien. La peau, elle est un peu dure, donc tu peux le laisser à la maison 2-3 jours. C'est trop bien. Bon allez, je vous laisse. Je vais récolter tout ça, il y a les radis qui sèchent là. Ne faites pas vos semences. Allez au magasin. Le nombre de radis que je vais avoir encore ici. Du radis pour 5 ans. Gratos. Bon, du coup, il y avait tout, il était en radis ici avec haricots verts. J'ai tout enlevé, boum, je remplace. Il n'y a pas de temps à perdre pour se nourrir. Allez. Oh, il y a un poule qui est dans le parc à cochons. Bon. Si elle saute du mauvais côté, la butte poule. Tant pis pour elle. Ciao, bye bye, à bientôt. Je vous fais la visite de tout ce carnage là. Des problèmes, j'ai des petits problèmes en ce moment là. Avec une top. Elle me casse les pieds, dès que j'arrose comme ça, hop, forcément il y a les vers de terre, les insectes, ils viennent. Et elle me démonte tous mes lignes. Donc ça c'est chiant. Ah, bref, je vous dis ciao, bye bye, à bientôt.